Bonjour les amis. Alors voilà, et ben écoutez, on passe aux choses très sérieuses. Mon bol samouraï. Alors, mon bol samouraï, vous savez d'où il vient? Il vient du Japon, d'un de nos amis qui m'a fait le plaisir et ça m'a fait très plaisir. Voilà. Donc là-dedans, je vais faire ma glace. Alors ma glace, elle va être constituée de lait d'amande. Ce sera la base. Après le lait d'amande, je vais mettre certainement, mais je vais aller dans l'ordre de ce que je vais mettre pour sûr. Je vais rajouter des flaxseeds. Lors d'une précédente vidéo, j'ai expliqué à quoi ça sert, à savoir bourré d'oméga 3. Non GMO, enfin bon, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Flaxseed mélangé avec mon lait d'amande. Après, pour continuer avec l'utile à l'agréable, je vais mettre du ashwagandha. L'ashwagandha, vous savez peut-être à quoi ça sert. Ça sert, si vous suivez, vous devez savoir à quoi ça sert. Donc, ça sert à empêcher les cellules du cancer d'absorber la glutamine, tout comme le thé vert ou le poivron. Voilà pourquoi je prends du thé vert, du poivron et de l'ashwagandha. Alors, le thé vert, on me demande souvent pourquoi est-ce que je prends du thé vert toute la journée. Eh bien, pour cette raison, simplement, pour ne pas tuer, pour empêcher le cancer de me tuer ou empêcher le cancer de manger la glutamine, tout simplement. Bien sûr, le soir, à partir à peu près de 6 heures, je ne prends plus ce thé, je prends donc du tilleul, de la camomille, enfin je prends un thé néanmoins, un thé, mais qui ne m'empêchera pas de dormir, bien évidemment. Après, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre dedans ce que j'ai reçu hier, je vous en ai parlé, du MCT Oil, qui aide à arriver à 100% de l'autophagie. Alors, je vais mettre une demi-cuillère, puisqu'il ne faut pas en mettre plus au début. Après ça, je vais mettre donc mes nuts and seeds, c'est des graines de courge, qui sont censées, bon, ça va donner des petites, vous voyez, ça va faire un peu de consistance, hein, au lieu des pépites de chocolat, maintenant c'est les graines de courge. C'est censé empêcher un peu d'aller trop souvent faire pipi la nuit. Il me manque les extraits de sabal, le sapin. Je me crois en Alsace maintenant. Il me manque le sabal. Le sabal, c'est le palmier nain de Floride qui, associé à ça, ça marche beaucoup mieux. Je ne l'aurai que le 9 décembre. Après ça, je vais mettre, si jamais je vois que ce n'est pas épais, je vais mettre quelques graines de chia qui vont épaissir, vont donner une texture style glace, donc puisque c'est une glace que je veux me faire. Et après avoir goûté, eh bien, je mettrai une petite cuillère de chocolat, du baking soda. Si maintenant le tout est amer, je vais rajouter, voilà, après avoir bien étudié le problème, je vais rajouter du stevia en gouttes, et je vais commencer par une goutte, je goûte, je mets deux gouttes, trois gouttes, etc. Je préfère nettement en gouttes parce que ça se mélange bien davantage. Bien sûr, zéro calorie, zéro souci. Voilà, voilà les amis. Alors maintenant, je vais vous laisser parce que je ne vais pas vous demander de me regarder faire. Et quand vous reverrez ce bol tout à l'heure, dans
quelques minutes, eh bien, il sera plein. À tout de suite.